Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Survive the Night. Et ben, je viens de faire une bêtise, là je suis réapparu, j'ai vérifié que c'était bien mon serveur et j'ai bu de l'eau qui était pas du tout purifiée. Donc je suis malade. Donc il va falloir commencer par trouver un endroit où se soigner. Or, ici, on a la possibilité de le faire placer un point. Voilà, j'ai placé un point. On le voit pas forcément très bien. Est-ce que je l'aperçois comme ça quand je fais ça? Non plus. Mais en tout cas, il y a possibilité de se soigner là-bas. Donc on va essayer de le faire. Mon petit feu continue de fonctionner, mais moi je me casse. Allez au parking. À l'aide d'un marqueur au parking. Au parking. Ah, il y a plein de trucs, mais j'aperçois pas de parking. Ah, c'est là. Ok. On va aller au parking. Parti. On va tuer des zombies au passage. On va essayer de se soigner. Crève, 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 crève. Merci. Je prends un niveau, c'est cool. Et je peux faire bobine de fil. Un petit établi. Excellent. On va aller jeter un œil à tout ça. Mais pour l'instant, on va vers le parking et en même temps, on essaie de trouver du soin là pour notre maladie. Quelle erreur terrible, ce survivant. Boire de l'eau impropre à la consommation. En fait, c'est vrai que l'inventaire, il est tellement compliqué que j'ai fait gaffe à ce que je faisais. Allez, va-t'en! Ils sont vraiment moches, les zombies. Il y en a beaucoup. Regardez ça. Là, il y en a carrément 4 d'un seul coup. Vite, ta vie baisse. Ou pas, mais en tout cas, elle est déchirée quand même. C'était une crieuse. Oh, il doit être lui. Elles sont bien dégueu, hein. Y a pas de doute. Et donc là, je pense que c'est l'endroit pour se soigner. Oui, on y est arrivé. Il est bien gardé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dis donc, va falloir défourailler à la hache. C'est pas facile. Surtout qu'on prend du moins 10. Ouais, carrément. Vas-y, un par un, les gars. Plus rapide d'abord. On n'a pas de rapide là. Là, je suis très bien hein, pour tuer. On fait un gros carnage. Tranquillou. Attention, attention, ça va. Ah, l'arme va être foutue. Faudrait que je jette un coup d'œil à ça. Ah, il stresse le mec, hein. C'est ça en fait, hein. Il stresse à fond. Au secours, je suis pas bien. Oula. Je vais me faire buter. Mais non. Incroyable, je croise un joueur. Il se barre. Il se barre le lâche. Hop.
Vêtements propres, je m'en fous. Non, moi je veux survivre à ma maladie. On était 3 sur la map, fallait le faire hein, pour croiser ce gars-là. Carotte. Ok, on écoute tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'attaque. Ça m'attaque. Ok, ok. Voilà. Bon, faudrait pas que tous les aides viennent sur moi, c'est chiant. Le mec revient. Lui, il va tenter le coup de la distance, vu qu'il a une arme à feu. J'ai plus de hache. J'allais me mettre là-bas derrière. Tranquillou. Voilà. Et je vais fabriquer une nouvelle hache. Mêlée. Hache, artisanat, vas-y. Je sais pas où il est passé, mais il doit tourner autour. Pour essayer de me buter de loin. Ok, bon bah là je vois pas de quoi me soigner hein, pour l'instant. Pas que des saucisses, des machins comme ça. Aïe aïe aïe! Comment on va se débarrasser de ça? Comment on va faire? Peut-être dans les crafts? Médical. Pansement. Je pense pas que ce soit un pansement. Peut-être que ça passe hein, au final. Utiliser. Non, ça fait rien. Bon, je me sens pas bien, quoi, en gros. Je vais reboire derrière, on va voir ce que ça fait. Peut-être que ça disparaît si on boit du bon, quoi. Là, je suis bien partout. Je vois pas en fait que ça fait comme impact. Par contre, on a un gars qui rôde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la ville là-bas. Est-ce qu'il y avait un magasin d'armes? Une bestiole qui fuit. Je vais chercher des armes dans la ville, je vais mettre un autre point. Je vais pas suivre le tuto pour l'instant. Parce que peut-être Tolga il est parti là-bas aussi en même temps. Là. Je vais aller là. Vas-y, balance le point un peu. On le voit. Merci. Comment on se baisse déjà? Je ne sais plus, il faudrait que peut-être je regarde les touches, j'arrive pas à me baisser. C'est quand même bien de pouvoir le faire. Puisqu'apparemment on peut échapper aux hordes grâce à ça. Ok, je suis en approche de la ville. Pour l'instant, j'ai pas vu le mec. Il faut que j'aille me soigner, donc... Ah, je crois. Ah non. Je pensais. Mais je pense que lui, il va au magasin, là, qui est intérieur de la ville. Il devait se soigner parce qu'il était très très mal, hein. Il s'est fait bolosser par les zombies. Après, il a dû le faire depuis, ça remonte vite. On va voir ce que donne cette ville. Elle donne qu'il y a beaucoup de zombies autour. Te tape de 3 mètres en te faisant bien mal. Est-ce qu'on pourra se soigner en plus ici? Ça serait bien. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de Z.
attaquer par un côté et on va tirer tout le monde quoi, en gros. On récupère des clous, on récupère des choses. Ça, c'est un magasin. Où est-ce que j'en suis? D'accord. Une store pas très loin. On passe par derrière. J'y fouille pas tous parce que c'est laborieux, puis en plus j'étais chargé. Il avait donné l'alerte. Ah oui, dis donc, l'enduit. Oula. Touche-toi un peu, là. Ça va pas bien. Ça va bien. Bon, bah, on va les fouiller, comme ça, on reprend de l'enduit. Oui. Dégage. 50e zombie tué. Je vais entrer là-dedans. Oula. Ça va pas rigoler là-dedans. Voilà. On pourra peut-être se soigner. Hein. On fait gaffe si jamais on est suivi. Cartouche. Ordi non. Du 45. J'ai l'impression que ça, c'est un gueulard. J'appelle les autres. Les gars, donnez-moi de comme soigner. Il y a une cuisine là-dedans. Le problème, c'est que je sais pas à quoi ressemblent les soins, donc... Ok. Dehors, il pleut. Hein. Ah, si j'avais pas bu ce truc, je suis sûr que mon endure monte moins vite à cause de ça. À mon avis, hein, c'est le problème. Patate. Puis on sait pas ce qu'il faut prendre, quoi, en gros. Pas le souci. Allez, on y va tranquillou. J'ai pas entendu. Ok, ok. T'es comment en endurance? Ouais, t'es pas bien. Et je commence à avoir plein de balles et tout. Je dirais que je trouve le gun store. Ça doit être ce truc là en face. Ouais, c'est ça. On va viser le gun store. Pas bien encore? Si, ça va. Pas dans le vent, s'il te plaît. Chaque coup de hache fait baisser ta stam. Je vais me baisser à partir de là, peut-être. Alors ça, c'est pas hunting.
Hey, hey! Sérieux? Energy drink, je veux bien, mais j'en ai pas. On se sent fatigué. Faudrait aller près d'un bon feu, je crois, après ça. Dégage. Comment? 74. Ici, c'est The Coin Visité. Un chargeur. Oh yes. Vite, vite, vite. Ça se ramasse pas. Ok, j'ai une arme à feu. J'ai une arme à feu qu'on va utiliser. Alors, on peut l'équiper. Ok. Je l'équiperai peut-être après, là. Pas le moment, je pense. Si je tire, je vais attirer tous les zombies de la ville. Moi, je vois rien d'autre, c'est dommage. Petite arme comme ça. On va ressortir, pas où on est rentré. Voilà. C'est comment? Je vais refaire un feu dans une baraque isolée. Toujours qu'ils reviennent, hein. Ok. C'est bien. Prendre. Corne, céréales. Non, mais je sais pas comment je vais me soigner de ce truc, hein. Ça va être compliqué, je pense. Pour trouver la bonne chose. Savoir. Donc ce serait un antiseptique. Normalement non, mais... Mais on a un antiseptique qui est cherché. Non, ça matche pas. Dommage. J'ai regardé un truc. Il est à 9%. Il est à 9%, donc... Donc c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. On va tirer 2-3 fois et il va être foutu. On va pouvoir le réparer. Bon, c'était vraiment le hasard de tomber sur un joueur alors qu'on était que 3 sur la map. Mais il était bien stuff. Dommage. Je vais essayer de remonter et de trouver une maison là-haut. Et après, je retourne vers le parking. Alors là, écoutez, je suis arrivé sur cet endroit où il y a plein d'arbres coupés. Je me demande si c'est normal. Je me demande si c'est le décor ou si c'est quelqu'un qui a coupé tous ces arbres. Est-ce que cette maison est barricadée ? Pourquoi couper autant d'arbres? C'est vrai qu'il n'y a pas de zombies autour.
étrange. Non, c'est des zombies. Je pensais que c'était le joueur qui vivait là. Je pensais ça, moi. Ah. Ok. Oh, j'ai une hache là, elle est toute pourrie. Déséquipée. Je vais la laisser tomber. Je vais en refaire une autre. Et je vais l'équiper. Ok. Et ma vie était tombée bien bas, j'ai l'impression. Toujours mal, de toute façon. Ah, ça y est, la horde va arriver. Donc je vais tester le truc qu'on m'avait dit, c'est-à-dire de se baisser. Voir si ça marche, si on s'est pas attaqué. On m'avait dit que si on était baissé, on se faisait pas attaquer. J'espère que c'était vrai. Ah, je l'ai évité, ouais. Cool. Parfait. Ah, le problème, c'est qu'il faut attendre que la nuit soit passée. À la limite, je vais me refaire de l'eau, je vais boire. Et pendant la nuit, je vais naviguer vers ça. La carte est vaste, hein. On pourrait trouver un endroit avec des armes. Ok, j'ai attendu un peu, là il est minuit. Je suis bien pour l'instant, à part ma maladie qui part pas. On va essayer de bouger. On va aller là. Pour aller sur ce truc. En même temps, si quelqu'un a fait un feu de nuit, on peut le voir. Pas loin de l'endroit où je dois aller, ça se lève, on a un orage. Ici, il y a des arbres coupés encore. Mais pas barricadé à chaque fois. Il y a des zombies dedans. Donc ça a peut-être rien à voir, ça fait partie peut-être du décor ou des gens qui sont passés il y a déjà longtemps. Pas barricadé en tout cas. Ah, là-dedans c'est bien vide par contre. Ah, il y a quelqu'un qui est mort en boucle pendant la nuit. Pour moi, on verrait des pièges. Bah, c'est dur à trouver, on est si peu. Je retrouve pas ce gars. Je me suis un peu entêté à le retrouver, mais... Au final, c'était le hasard, et puis on le retrouve plus, quoi, en gros. Mais va-t-on trouver de quoi se guérir? On trouve des antiseptiques. Ça doit être dans les salles de bain, hein, qu'on pourrait trouver de quoi se guérir. J'ai l'impression. Ok, bon, laisse tomber. Cassons-nous, c'est le jour, c'est moins dangereux. Je suis pas très loin de l'endroit où je dois aller.
Je vais observer un petit peu. Voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un truc de bagnole. Ok, on a atteint le truc. Ça me met des trucs là. Survivre 28 nuits consécutives, j'ai pas fait ça dans le jeu. Là, ça me valide des choses que j'ai pas faites du tout. Il a appelé ou il a pas appelé? Ah, je trouvais des roues. Fabriquer un jerrycan. Pose-toi. Ça va bien se passer, t'inquiète. On a du matériel. Ouais, c'est du métal. Il y a du monde, hein. Radiateur, ok. On doit reconstruire une voiture. Il en faut encore beaucoup. Non, il m'en faut plus que pas beaucoup. Il m'en faut plus qu'un, ouais. C'est-à-dire là. MRE. Ok. Encore une MRE. Je sais pas si je vais avoir un problème de place à un moment. J'ai un peu regardé cette histoire-là. Excellent. Improve critical stat. Ah, c'est ma maladie là. Tomber malade en mangeant, nanana. Assurez-vous de vérifier le risque de maladie. Trouver des médicaments ou manger des ragoûts. D'accord. Merde. Est-ce que j'ai des ragoûts? J'ai ça. Un peu un ragoût, non? Non. Apparemment, j'ai trouvé un gun, mais je vais mourir, quoi, en gros. Alors, je peux fabriquer... Je ne sais pas où. Un jerrycan. Je le fabrique. J'ai fabriqué mon jerrycan. Faire rouler le véhicule. Ah, j'avoue que je sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas stock. T'inquiète. Il y avait un lot de jerrycan. Ce véhicule là. Hauteur. Opération, il me faut une roue. A chaque fois, il faut une roue, je crois. Essayer de prendre ça. Hop. Et de le mettre sur ça. 97% de moteur. Parfait. Oui, ma maladie ne s'arrange pas, je sais bien, j'ai compris.
Maintenant, il faudrait que je trouve de l'essence. Je peux siphonner. Voilà. Sous le temps que j'ai pris. J'ai mis 4. Ça, c'est simple. Ah bah, il manque tout, en fait. 6 bougies. Radiateur, je le mets. Ah, c'est parti, je collecte. J'ai déjà trouvé plein de trucs sur celle-là. Il me manque filtre à vie, les 3 bougies. J'ai 2 bougies. J'ai un filtre à vie. Allez, prends, Coco. Voilà. Plus qu'une bougie. Elle est là. J'aurais du carburant en plus. Il est en train de crever le mec. Ah non, il a faim. C'est pas possible ça. T'as faim? Sérieux? Avec ce que j'ai bouffé. C'est peut-être à cause de la maladie, justement. Bon, je sais pas, de toute façon. C'est mystérieux, hein. On n'a pas de carburant. Ok, j'ai un petit peu de carbu en plus. Je me débarrasse des zombies qui me suivent. Et je retourne là-bas. Quand je cours, ils m'entendent. Je suis à 12-13. Parfait. Ah non, je suis pas encore bon. J'ai oublié de mettre un truc. Ça. Normalement, là, je suis OK. Yes. Excellent. Ah, c'est cool. Ça lag un peu. J'ai débloqué pas mal de choses. Il faudrait se donner un point intéressant. Un endroit où je peux trouver des armes pourrait être pas mal. Ou au moins des balles. Parce qu'on a déjà 12 armes. On arrive sur une armurerie. Oula! Il y a du monde. On va les écraser. Alors je suppose que le véhicule prend du dégât. Bon, je vous avoue que j'ai pas pour regarder si c'était le cas. Des zombies qui réapparaissent. On en a déjà fait quelques-uns là. Ouais, les corps disparaissent. Assez vite. Vas-y. Défonce-moi ça. Allez, faut crever les zombies. Ah, il a repeur. Il me fait un petit stress. Ils se font défoncer. Il
Ok, pas mal. Il en reste plus beaucoup. Ah mince, j'ai pas éteint. Ça s'est pas éteint. Comment ça s'éteint? Ça c'est le klaxon. Il y en a un qui attaque ma bagnole là. Ils sortent du bâtiment. Bah à la limite ça les fait sortir. Allez tant pis. Elle fait un boucan la voiture. On se calme. Ah, on est mieux là. Un peu plus loin. On va visiter un petit peu tout ça. C'est ouvert. Oh! Ah bah alors là, il y a des constructions de joueurs pour le coup. Il y a quelqu'un qui a fait la horde là-dedans. En plus, c'est pas abîmé. Équipe-moi ça tout de suite. Moi, de toute façon, je pense que si le gars est là... Il m'a entendu arriver. Ah bah j'ai pris un gros coup dans la gueule quand même. Ouais, c'est pas bête de s'installer près d'un magasin comme ça en fait. Waouh. Il y a beaucoup plus de trucs ici. L'autre, il avait été fait, à mon avis, celui que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, regardez. Double barrel. Il y a beaucoup plus de choses. A priori, c'est peut-être une base, mais bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse base. Et bah, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour ce jeu. Pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Je dis pas qu'il est pas bien hein, mais bon, simplement je n'ai pas forcément envie. Ah, puis là il faut que j'arrête de toute façon le moteur, j'en peux plus. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette mini série et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut.